voici partis pour une croisière sur le canal du Midi. Partis du quai du Pont-Neuf à Béziers, nous prenons déjà la première écluse. C'est l'écluse de l'Orbe qui nous permettra de passer au-dessus de ce fleuve capricieux. Après la première écluse, voici le pont Canal de l'Orbe, réalisé en 1854, d'une longueur de 240 mètres. Sur la droite, l'emblème de la ville de Béziers, cette église forteresse cathare qui sera incendiée en 1209. Aujourd'hui, c'est la cathédrale Saint-Nazaire. Nous arrivons déjà à un point fort du canal du Midi, les écluses de Fonsérane. Au nombre de 9, l'ensemble est le chef-d'œuvre du canal. C'est Pierre-Paul Riquet, natif de Béziers, qui réalisa ce monument unique vers le XVIIe siècle. Pour réussir cet exploit, il a fallu 8 sas sur une longueur de 315 mètres et pour un dénivelé de 25 mètres. Maintenant, sur 54 km, il n'y aura pas d'écluse. C'est ce qu'on appelle le grand bief. Pas d'écluse, mais parfois beaucoup de bateaux qui se croisent ou se doublent. Les 42 000 platanes qui bordent ce canal sont en voie de disparition. En effet, la maladie due au champignon le chancre coloré tue un arbre entre 2 et 5 ans. Pour éviter la contamination sur site, tout est aspiré et brûlé sur le site. Déjà, d'autres essences se reflèteront sur l'eau d'ici une trentaine d'années. Voici un endroit peu banal, le tunnel de Malpas. Colbert ordonne à Pierre-Paul Riquet de contourner cette petite colline en roche friable, ce qui obligera à réaliser une écluse. Riquet, déterminé, réalisera grâce au maître maçon Pascal de Nissan un tunnel de 173 mètres sur 8,50 mètres de haut. Ce fut le premier tunnel au monde creusé pour y faire passer un canal. Aujourd'hui, au même endroit,
passe encore plus en profondeur, un tunnel ferroviaire creusé au XIXe siècle. Et encore, en dessous, un tunnel pour permettre le drainage de l'étang de Montagny. Nous passons rapidement devant le port de Colombier, qui a permis à la péniche de faire son demi-tour. Et voici le pont de Rabot-Corbe. C'est le plus petit gabarit, appelé ainsi car les animaux touchaient de leurs cornes le dessous du pont. On va redescendre par les écluses de Fonsérat. Remarquez que la flèche d'intrados de ce pont est tellement petite qu'il faudra abaisser la toiture de la péniche et les passagers seront obligés d'avoir la tête baissée. On repasse par le pont canal au-dessus de l'Orbe. Je ne sais pas si ce sont les pigeons qui ouvrent l'écluse, mais nous voici à notre point de départ sur le pont neuf de Béziers. Nous avons passé une journée enrichissante.